l'ouverture officielle. This meeting is being recorded. J'aime toujours quand ils nous disent la même chose en français et en anglais. Ça me rappelle qu'en tant que franco-américain, que je peux de temps en temps travailler un petit peu ma compréhension d'anglais. Alors, on attend le direct, mais encore une fois, je tiens à dire que c'est un plaisir. C'est la première fois que nous faisons une coupe locale du potager dans un territoire si intéressant de par son histoire, de sa culture culinaire. Je sais que vous faites un travail sur justement donner encore de la valeur aux légumes anciens. Vous avez fait un travail avec les lycées agricoles de la région. J'avais eu le plaisir d'ailleurs de visiter le lycée agricole à Dunkerque il y a quelques années. On m'avait vraiment sensibilisé à ce travail que vous faites. C'est un plaisir d'essayer de créer une synergie aussi entre la coupe du potager des Hauts-de-France avec vos autres initiatives d'éducation à la nature, mais surtout à l'alimentation et à l'agriculture durable. Il ne faut surtout pas hésiter si nous pouvons créer et renforcer ces synergies. Je crois que nous ne sommes toujours pas en direct, chers collègues. On a demandé si vous avez compris. Et nous sommes officiellement en direct sur notre page Facebook. Eh bien, chers amis, j'ai le grand plaisir de lancer cette Coupe du potager des Hauts-de-France. Cette Coupe de France du potager est aussi quelque chose que nous souhaitons faire à l'échelle territoriale et c'est un grand plaisir de faire cela dans la région des Hauts-de-France. Nous sommes en direct sur Facebook, l'association Landestini représentée par Margot, Charlotte et moi-même, Henri Landest. Nous sommes ravis de rencontrer les jeunes du territoire, aussi au nord. Je suis en Haute-Loire, j'aimerais bien être en présentiel avec vous. Ce sera pour une prochaine fois en tout cas. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est que nous valorisions toutes les initiatives, toutes les bonnes volontés, toute la motivation que vous avez à la fois élu du conseil régional, vous qui travaillez dans les services en faveur de l'éducation des jeunes et notamment de la gestion des lycées, et surtout vous, jeunes, qui êtes motivés, engagés, qui avez envie de créer et entretenir un potager. Cette Coupe de France du potager et cette Coupe du potager des Hauts-de-France, c'est quelque chose qui valorise la démarche de mettre les mains dans la terre. Et nous avons tous et toutes besoin de mettre les mains dans la terre, au moins un petit peu, pour que nous nous reconnections à la nature et que nous prenions conscience de la valeur de l'alimentation durable, de la valeur de respecter aussi les personnes qui produisent la nourriture, de prendre conscience de l'importance de leur travail. Alors, nous sommes avec Manuel Martin, vice-présidente en charge de l'éducation des lycées et de l'orientation, Véronique Tintenier, vice-présidente en charge de la biodiversité. J'ai le très grand plaisir de vous donner la parole. C'est un honneur, c'est plutôt à vous de nous souhaiter la bienvenue. Nous sommes, même si nous sommes en distanciel, chez vous. Merci à vous d'avoir accepté de soutenir cette initiative, de nous permettre de faire cette action pédagogique. Je vous en prie, merci à vous deux. Merci, Monsieur Landest, pour ces propos introductifs. Je voudrais effectivement, bien évidemment, associer ma collègue Véronique Tintenier, qui rajoutera certainement à mes propos quelques explications, certainement plus techniques. Moi, je ne peux que me réjouir, en tout cas, d'un tel lancement de cette Coupe du potager des Hauts-de-France dans la région des Hauts-de-France, avec les jeunes de la région des Hauts-de-France. Pour plein de raisons, mais j'en retiendrai tout particulièrement deux, parce que dans la région des Hauts-de-France, nous avons deux priorités. C'est bien évidemment d'accompagner nos jeunes et les ouvrir le plus possible dans les établissements scolaires de la région. Et donc, votre coupe s'inscrit complètement dans ce parcours-là. Et puis, nous avons par ailleurs une thématique très chère à Véronique, ma collègue, une thématique qui nous tient beaucoup, la thématique de la biodiversité, parce que nous avons la chance dans la région des Hauts-de-France d'avoir une très riche biodiversité et qui nous permet justement de pouvoir allier les deux et de le faire à destination de nos jeunes. Alors, vous le savez peut-être pas, mais nous avions lancé l'année dernière dans 5 établissements de la région des Hauts-de-France une installation de potager avec les jeunes. Eh bien, votre démarche qui s'inscrit aujourd'hui dans cette continuité, à ma connaissance, il y a 18 établissements qui ont déjà répondu à cette coupe du potager, des Hauts-de-France, pardon, je vais y arriver. Et donc, j'espère qu'il y aura encore de nombreux établissements qui vont s'inscrire dans cette...
reste persuadé qu'effectivement, vous l'avez très bien dit, il faut absolument approcher, en tout cas faire en sorte que les jeunes soient sensibilisés au potager. Ça veut donc dire une certaine qualité dans l'assiette, et aujourd'hui, on en est tous très heureux de pouvoir avoir une bonne qualité dans l'assiette. Encore faut-il le permettre, et donc grâce à cette coupe du potager des Hauts-de-France, nous aurons la chance d'avoir cet accompagnement, en tout cas, de nos jeunes pour permettre cela, et j'en suis ravie. Donc, un grand merci à vous pour cette initiative, et surtout un grand merci aux jeunes, parce que c'est eux qui vont dorénavant travailler, et je serai très heureuse de pouvoir voir le résultat une fois que tout cela sera mis en place. Merci à tous. Merci à vous. On vous applaudit à distance. C'est une pratique que nous avons à faire très souvent et que nous faisons en l'assumant complètement, parce que certes, c'est un peu bizarre d'applaudir devant un écran tout seul, mais c'est important quand même de reconnaître quand nous avons une belle volonté politique pour les initiatives en faveur de l'éducation des jeunes à la nature. C'est vraiment formidable. Merci à vous, Madame Martin, et comptez sur nous pour animer ça avec toute l'énergie. Sachez que quand on réunit autant de personnes pour un lancement comme ça, ça nous donne d'autant plus d'énergie. Madame Tintenier, merci aussi d'être avec nous, vice-présidente en charge de la biodiversité. Vous pouvez faire la vôtre dans le temps que vous voulez. Oui, merci à vous. J'ai vraiment un plaisir. Je suis ravie de participer à ce lancement, la Coupe du potager Hauts-de-France 2023, en tant que vice-présidente en charge de la biodiversité. Donc, comme vous le savez, la région, elle s'investit pleinement dans des projets de promotion de la biodiversité dans les lycées, donc via notamment le dispositif Génération, Lycée Nature, le plan Arbre, et enfin la Coupe du potager Hauts-de-France, donc c'est très important. Je suis ravie de l'implication des lycéens au développement de la biodiversité, dans un esprit de transmission du patrimoine naturel et de la responsabilisation autour des questions environnementales. La préservation de la biodiversité constitue un enjeu primordial aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une fin en soi. Elle contribue aussi à l'amélioration du cadre de vie au sein des lycées, plus sain et plus accueillant. Donc, il peut être un moyen différent, ludique et concret pour apprendre. Donc, enfin, je formule vraiment aussi le souhait de voir davantage d'établissements se saisir de ces questions et par des actions concrètes menées en leur sein à l'aide du conseil régional et des dispositifs qu'ils portent. Mais là, bon, 18 lycées, c'est vraiment intéressant. Et puis, je souhaite bon courage à tout le monde. Et puis, moi aussi, avec ma collègue Manuelle, aller voir le résultat. Je suis très pressée. Donc, voilà. Mais je souhaite en tout cas de bonnes actions et de bon courage à tous. Merci. Et on applaudit également. Nous sommes ravis de vous écouter, parce que vous avez dit que vous étiez pressés pour voir des résultats. Et la réalité, c'est qu'un potager, oui, il y a le temps de la nature, c'est vrai, on a besoin d'apprendre à ralentir, mais c'est aussi rapide. On peut, en quelques semaines, voir les fruits de notre travail, c'est le cas de le dire, voir les légumes de notre travail, peut-être plus approprié. En tout cas, vous serez bienvenus. On a très envie que ces potagers soient partagés. Là, on est nombreux établissements aujourd'hui présents. Merci à tous les enseignants. Vous allez vous présenter dans quelques instants. Mais c'est grâce à vous que ce projet fonctionne, parce que des enseignants motivés, ce sont nos meilleurs partenaires, entre guillemets. C'est les personnes que nous souhaitons soutenir le plus depuis le début de l'Andestini, depuis les 3 ans et demi que nous travaillons, et même depuis les 10 ans que je travaille dans l'éducation nationale, indirectement, bien sûr, en partenariat avec les rectorats et avec les enseignants. Nous voyons ce que c'est l'engagement, la valeur pour la société au sens large, d'enseigner, d'être professeur, d'aider les jeunes à trouver leur chemin, à éduquer à la citoyenneté et à l'éco-citoyenneté. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Nous, ça nous donne beaucoup d'inspiration. On est tous gagnants. Tous et tous gagnants en participant à la Coupe du potager des Hauts-de-France. Il y a des lauréats, il y aura une équipe championne. Vous avez 2 chances de gagner, puisque si vous participez à la Coupe des Hauts-de-France, vous êtes aussi automatiquement dans la Coupe nationale. Mais on est tous gagnants en participant. On aime bien insister là-dessus. Ce n'est pas juste un concours. C'est même plus une animation et un dispositif d'accompagnement avec de l'entraide, avec du partage de techniques, des aides, du conseil. Le groupe Facebook, il est foisonnant. Ce n'est pas le seul moyen pour échanger avec nous. On a un numéro vert, vous pouvez nous appeler quand vous voulez, vous pouvez harceler Margot gentiment. Disons que c'est des valeurs de compétition saines que nous souhaitons vraiment faire valoir. Et d'ailleurs, on est ravis d'avoir fait le lien entre sport
alimentation et santé aussi dans cette Coupe de France du potager, dans cette Coupe du potager des Hauts-de-France. Donc, on va y revenir. Alors, c'est justement le moment de faire parler deux ou trois personnes qui sont très intéressées par cette... Oui, merci Margot d'avoir mis le lien du groupe Facebook dans le chat. Vous pouvez le rejoindre facilement. C'est ouvert à tout le monde qui participe. Je crois que nous sommes en présence de M. Sébastien Porquet, qui est chef et propriétaire du restaurant Le Saltimbanque à Aucourt-sur-Somme. Et vous êtes venu aujourd'hui pour parler un petit peu de cette importance du lien de la fourche à la fourchette. Ce que nous on dit plus un grand plus un chez nous à Landestiny. Est-ce que vous êtes avec nous, M. Porquet ? Oui, bonjour à tous. Merci à vous et vous avez la parole. C'est très gentil de donner votre temps à cette initiative. Alors, j'avoue, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe parce que je ne savais même pas que ça existait. J'ai découvert ça la semaine dernière quand on m'a convié. Alors déjà, je suis ravi de pouvoir échanger avec tout le monde, enfin, du moins donner moi mon aspect, alors qui est forcément lié un peu plus à l'alimentation, même la santé. Moi, je travaille, j'ai pas de potager dans mon restaurant. Pas encore, mais même si on a commencé à en créer un, parce qu'en fait, je peux pas trop me passer de mes maraîchers. Mais après, moi, c'est ma vision des choses, et en fait, je veux continuer à faire travailler mon économie locale. Par contre, ce que je trouve intéressant là en vous écoutant, c'est que j'ai connu quand j'étais gosse, on en faisait en fait dans les écoles primaires, tout ça, et ça s'est abandonné. Je vois même dans les écoles du coin, en fait, des potagers qui ressemblent plus à rien parce qu'en fait, ça a été retiré finalement du programme, je pense. Alors que les mairies avaient développé des endroits, etc. Enfin, moi, quand j'étais gosse, on mettait la main à la terre, même en étant à l'école. Et en fait, en faisant ça, je me dis que pour l'avenir, moi, parce que je suis encore un peu jeune, on va reconnecter en fait cette population avec la nourriture parce que là maintenant on voit beaucoup de grosses chaînes se développer, on parle plus souvent de kebab, de tacos et vous voyez ce que je veux dire, bon, dans le nord de la France on pourrait dire aussi côté friterie, mais au-delà de tout ça je me dis que si demain en fait des lycéens tout ça se mettent à faire un peu des potagers, ça va leur faire voir un peu aussi l'importance du produit, comment ça pousse, parce que même si vous avez dit que ça peut aller vite, il faut quand même du temps. Et du coup, nous aussi, en cuisine, on passe du temps à transformer les choses pour que ce soit bon. Les cuisiniers en collectivité, tout ça, c'est aussi ce qu'ils font. Ils passent énormément de temps à essayer de réfléchir comment faire de la masse avec des bons produits. En plus, il y a quand même un gros développement depuis quelques années des produits locaux en fait, dans les cuisines. Et en fait, je prends ça en fait, comme une certaine culture parce que c'est grâce à vous peut-être que nos futurs restaurants vont fonctionner. Quoi. Parce que moi, je n'ai pas l'impression de faire partie de ces multinationales de la malbouffe. Sauf qu'en réalité, nous, on fait l'éducation de personnes qui sont un peu plus grandes que les lycéens. Mais un jour, ces lycéens, en fait, ils vont venir dans nos restaurants. Et donc, du coup, on aura déjà passé le cap. On va gagner du temps, en fait. Oui. Et finalement, je me dis que la région, donc là, il y a une grosse masse, en fait, publicitaire avec la gastronomie des Hauts-de-France, tout ça, au niveau européen, tout ça. Mais je pense que l'important, en fait, c'est d'essayer de reconnecter, finalement, cette population qui va arriver après sur le marché du travail. Avec cette connaissance, en fait, cette culture du produit. Parce qu'en fait, je crois que les élus ont parlé aussi de patrimoine, de territoire. Et en fait, finalement, c'est ça, le territoire, c'est quoi ? C'est la terre. Hein. Et il faut qu'on récupère. Et du coup, ça va aussi, en termes d'écologie, permettre peut-être de la soigner, cette terre. Parce que des fois, en fait, on la désagrège un petit peu, petit à petit. Et donc, voilà ce que j'avais envie de dire. Au-delà de l'alimentation, je me doute que s'ils font des potagers, ils vont pouvoir utiliser les produits. Je me doute que certains cuisiniers vont pouvoir les cuisiner. Peut-être qu'il y aura des ateliers dans les lycées ou les établissements participants. Mais enfin, voilà. Et comme je sais qu'après, vous faites une intervention sur le sport, eh ben, tant mieux parce que du coup, en fait, bonne alimentation, bon produit, sport égale une vie saine, égale des gens normaux, c'est-à-dire peut-être la fin de l'obésité. Enfin, voilà, plein de choses en fait, qui en découlent. Voilà ce que j'avais envie juste de vous dire. Après, je ne suis pas donneur de leçons, quoi. Je ne suis pas non plus un jardinier, donc je ne vais pas vous dire comment mettre les mains dans la terre. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que j'en vois plein de mecs, parce que je travaille avec beaucoup de monde, qui mettent les mains dans la terre pour moi, puisque moi, après, je suis juste là pour être transformé. Mais enfin, voilà, c'est des gens sans qui, en fait, ceux qui mettent les mains dans la terre, on ne pourrait pas se nourrir aujourd'hui. Alors certes, il y en a qui travaillent avec des tracteurs, il y en a qui travaillent avec leurs mains, il y a différentes méthodes de travailler cette terre. Mais en tout cas, c'est le fruit de la terre, finalement. C'est ce qu'on a dans l'assiette. Et ça, c'est important d'avoir cette connexion-là. Voilà. Ben, c'est parfaitement dit. Merci à vous. Et moi, je vous applaudis encore une fois. Monsieur Porquet, vous avez entièrement raison.
ce que nous faisons aujourd'hui, je tiens à, je pense pas que j'ai besoin de, c'est pas une question de rassurer, motiver vous les élus et représentants de la collectivité qui avez décidé de créer cette initiative alors que vous en avez d'autres. Et donc, encore une fois, nous, on est là pour animer quelque chose qui est non seulement complémentaire, mais qui va valoriser des initiatives existantes. Ce qui est fait aujourd'hui porte ses fruits demain. Je ne cesse de discuter avec des élus qui reconnaissent chez eux, plus tard, les citoyens, les habitants de leur commune ou même de leur région, qui ont fait de l'éducation à l'environnement, qui ont eu des potagers dans les écoles. Ça reste une vie, toute une vie. Ce n'est pas du tout quelque chose d'éphémère de mettre les mains dans la terre, surtout dans quelque chose que nous préconisons, hein, qui est que ça dure tout un semestre, toute une année scolaire. Et revenir en arrière, on n'y croit pas. On a toujours, quand on développe une fibre et on la cultive, c'est le cas de le dire encore une fois, ça reste. Et ça reste d'autant plus que le lien avec le reste de notre vie devient de plus en plus clair. C'est-à-dire que j'ai moi-même appris à planter et faire pousser des légumes après l'âge de 30 ans. Je connaissais rien avant. Je n'avais pas la main verte, pas besoin d'être expert. Par contre, j'étais un tennisman professionnel pendant quelques années et j'avais une empreinte écologique très grave parce que je me baladais partout dans le monde entier à faire des tournois de tennis avec ma raquette, mes raquettes. Je peux dire que je fais le lien très facilement maintenant avec le fait que quand je me souciais par contre de bien m'alimenter, c'était quelque chose qui allait directement à la performance, directement à la santé sur le terrain. Et le sport, la santé et l'alimentation saine, pour tout le monde, quel que soit le niveau de sport, c'est primordial. Et c'est pour ça que Benjamin Catiot, le fait que vous soyez avec nous, sportif et responsable à l'association Univers Sport, que vous avez décidé de nous soutenir, donner un peu votre temps et venir dire un mot, c'est d'autant plus apprécié. Merci à vous, Benjamin, d'être avec nous. Bonjour à tous. Oui, c'est un plaisir d'être là pour le lancement officiel. Je rigolais pas, hein. Je rigolais vraiment pas. Parce qu'on a aperçu Michel, qui sont encore échappés. Excusez-moi. Merci, monsieur Catiot, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Donc, très heureux d'être là pour le lancement officiel de la Coupe du potager des Hauts-de-France. Donc, je représente Univers Sport. Donc, je suis un des responsables de l'asso. Je suis chargé de sensibilisation. Donc, je coordonne et j'organise toutes nos actions de sensibilisation en Hauts-de-France. Je vais partager mon écran pour vous présenter le dossier Green Nicotour. Alors, en fait, on va faire un truc global. Bien. Là, vous voyez bien mon écran, là ? Oui. Ok. Donc, je vais faire en mode présentation. Donc, là, bien sûr. Je ne sais pas si on entend. Le dossier de présentation. On va repartir au début. Donc voilà, donc, comme ça vous en saurez un peu plus. Voici la présentation de mon association, donc, Univers Sport. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est... en fait, on a été créé le 28 juin 2021. On veut sensibiliser grâce à l'activité physique sur la préservation de la planète et l'importance du sport pour la santé. Donc on organise des événements et des défis tout au long de l'année autour de trois thématiques, le sport, la planète et la santé, parce que pour nous, les trois sont liés. Le public ciblé, en fait, c'est tout public, les écoles de tout niveau, les associations, qu'elles soient sportives ou non, les entreprises, les collectivités locales, les institutions. Notre pôle, l'éducation, le pôle événement, le pôle éco-aventure. Le pôle éducation, c'est pour les sensibilisations tout au long de l'année dans les établissements scolaires. Les événements, donc on se greffe à des événements existants, pas forcément sportifs, mais pour la plupart. Comme par exemple, prochainement, on sera sur les 4 jours de Dunkerque, par exemple. Les éco-aventures consistent à faire des défis sportifs pour attirer l'attention sur nous et porter le message un peu plus. Et le dépassement de soi par le sport, pour nous, c'est pour se révéler soi-même, être meilleur pour soi-même, s'aimer mieux soi-même pour mieux aimer les autres et être meilleur pour la planète. Donc, les trois thématiques, donc le sport, comme je vous disais, comme tous les sujets que l'on aborde, le sport doit être accessible à tous et permet de partager les valeurs d'entraide, de convivialité, de solidarité. Car, comme on dit toujours, ensemble, on va plus loin. Car seul, on peut aller plus vite, mais c'est toujours mieux de travailler en équipe.
La planète, donc c'est un sujet très important pour nous. Donc on parle de surconsommation, de pollution, dérèglement climatique, perte de la biodiversité. Donc la planète a besoin de nous, on n'a plus le temps d'attendre. C'est surtout l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Et la santé, qui est primordiale, donc qu'elle soit psychique ou physique, elle est au cœur de nos préoccupations. Donc nous, on parle beaucoup d'alimentation saine. On veut inciter les gens à se tourner vers le végétarisme, par exemple, sans forcément abandonner totalement la viande. Mais moins on mange de viande, mieux c'est pour la planète et c'est aussi meilleur pour notre santé. Nicolas, qui a enchaîné beaucoup de marathons, j'en parlerai un peu plus tard, est végétarien. Donc il prouve qu'on peut faire du sport à haut niveau sans forcément manger avoir un régime carné, comme on dit. Et puis aussi, voilà, comme vous pouvez le lire, hein, on peut prendre du temps pour soi et réapprendre à connaître notre corps et nos besoins. Donc là, ce qu'on organise comme événement, des villages pour la planète, on se greffe aussi à des événements déjà existants en proposant des ateliers de sensibilisation au sport planète santé. Donc on a deux vélos smoothies, on propose des ateliers Energy Balls, des ateliers Tawashi, etc. On a pour l'instant deux fresques, la fresque du sport, la fresque du climat. Bientôt, on aura la fresque de la mobilité et la fresque océane. On essaie de créer des liens intergénérationnels entre toutes les générations. Et puis aussi, au niveau des territoires, on souhaite mettre en relation tous les acteurs de la transition écologique pour qu'ils puissent bien agir ensemble sans forcément que l'univers sport soit présent. La lutte contre la sédentarité, c'est important. La sédentarité, autant pour moi, c'est important. Donc, on a différents ateliers ludiques, surtout à destination des enfants, pour les faire bouger, puis les inciter à ne pas rester dans leur canapé devant leur smartphone. Ça, c'est surtout pour les ados. Et on organise aussi des ramassages de déchets en courant, donc en courant ou en marchant. Donc, en courant, on appelle ça le plogging. Donc là, c'est vraiment pour se bouger. Typiquement, là, on est vraiment dans la thématique se bouger pour son corps et la planète. Parce qu'on fait du sport, on se fait du bien et en même temps, on ramasse les déchets dans la nature. Donc, c'est dans l'air du temps et c'est important de le faire. Le pôle éducation, donc, on pense que les enfants sont les héros de demain, sont aussi les acteurs et décideurs du monde de demain, qui commence aujourd'hui. Donc, je vous parlais tout à l'heure de liens intergénérationnels, c'est les adultes sont concernés aussi. Donc, c'est des projets qui peuvent être ponctuels, mais qui peuvent être aussi sur la durée, avec différents établissements scolaires partenaires hein, de tous niveaux, hein, école, collège, lycée, fac, notamment les STAPS, un peu partout en France. Voilà, donc on a différents supports basés sur la fresque du sport, qui ressemble à la fresque du climat, mais on tourne autour du sport en montrant quel est l'impact du sport sur l'environnement et comment réduire cet impact. Et le troisième pôle, donc les éco-aventures, pour sensibiliser, on veut attirer l'attention en faisant des exploits sportifs. Donc en 2021, Nicolas avait fait, donc Nicolas Vandenesken, qui est un des quatre éco-aventuriers de l'association, avait fait un premier Tour de France en courant en 2021, le fameux Green Eco Tour, et on a fait un deuxième en 2022, donc qui consistait à faire 108 marathons en 108 jours pour le climat. Donc il faisait un marathon par jour et l'après-midi, il sensibilisait avec la fresque du sport et surtout avec l'urgence climatique. Donc dans les écoles ou les centres de loisirs, ou parfois des événements grand public, comme un village sport planète à Lille le 10 décembre, et pour son arrivée finale le 11 décembre, on a fait un village sport planète à Valenciennes, et on a interpellé le Parlement européen à Bruxelles pour sa toute dernière étape le 19 décembre. Moi-même, j'avais fait une run for planète au mois de juillet, j'avais fait 12 marathons en 13 jours, et dans les éco-aventures qu'on prévoit en 2023, Nicolas a 4 éco-aventures prévues. Moi-même, j'en ai 4, dont 24 marathons en 24 jours pour la planète bleue. La thématique, ce sera la préservation de l'eau douce sur la planète. Ça, ce sera au mois d'août. Je ne vais pas vous parler là maintenant de toutes nos éco-aventures, parce qu'en tout, avec les 4 éco-aventuriers, on a 10 éco-aventures prévues. Donc voilà, ça, je passe. Les gens peuvent devenir bénévoles, partenaires ou donateurs de notre association. Ça, c'est le calendrier qui va se compléter au fur et à mesure. Mais il y a déjà quelques dates pour 2023 sur nos différents événements. Donc là, je vais aller droit au but en parlant quel est notre intérêt par rapport à l'Andestini. C'est par rapport au fait que nous, on prévoit de faire des plantations d'arbres fruitiers dans les établissements scolaires dans lesquels on intervient pour sensibiliser. On a sollicité la Fondation SNCF, qui est un de nos partenaires, pour financer ces plantations d'arbres. Et en fait, nous, symboliquement, avec l'application Active Giving, en fait, à chaque fois que vous faites une activité sportive avec ou sans une montre GPS, vous pouvez mettre votre activité sur une application comme Strava, par exemple, ou même d'autres.
est relié à l'application Active Giving. Chaque kilomètre parcouru, donc ça peut être en marchant, ça peut être en courant, ça peut être en faisant de la natation, en fait, tous les déplacements qu'on peut faire, même si c'est que de la marche, donc tout le monde peut le faire à tout âge, ça génère des kilomètres qui sont transformés en... qui génèrent des arbres. Et ces arbres, derrière, grâce à des partenaires, on finance, l'application finance des projets de reforestation. Excellent. On aimerait justement, symboliquement, tous les kilomètres qu'on a parcourus grâce à la team Univers Sport au sein d'Active Giving, notamment tous les kilomètres que Nicolas a fait, c'est celui qui en a fait le plus. On a généré, alors là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais pas mal, pas mal d'arbres, plus de 12 000, il me semble. Donc, en fait, voilà, on est en train de réunir le financement pour pouvoir acheter ces arbres et les planter dans les écoles. Donc, notre projet... ça serait de démarrer cette année. Alors, dans la saison adéquate à la plantation, il faut qu'on aura réuni le budget. Donc, ça, il faut qu'on voit quand est-ce que c'est possible, mais ça pourrait démarrer prochainement. Donc, voilà, le but, c'est en fait, on court pour la planète. Tout ce qu'on fait en déplacement, ça devient des arbres qui sont plantés avec les enfants des Hauts-de-France. On va faire une plantation d'arbres fruitiers exclusivement en Hauts-de-France. Et on l'espère, en partenariat avec Landestini et vous tous, hein, parce que tous les établissements qu'on a déjà partenaires, on va leur proposer de faire ces plantations. Donc, en gros, on fait une sensibilisation à la fresque du sport auprès des élèves et derrière, on les met en mouvement avec un plugin, par exemple, et aussi une plantation d'arbres au sein de l'établissement. Rajouter des arbres fruitiers pour les établissements qui ont déjà des potagers et des programmes de plantation d'arbres. Voilà. Bon, voilà, vous parlez des autres partenaires. Donc, voilà ce que nous, on fait. Alors, comment je quitte, par contre, voilà, arrêtez de partage. Voilà, comme ça, je reviens auprès de vous. Donc, voilà, j'ai la présentation concernant est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, bah, j'espère que tous ensemble. L'objectif de notre association, c'est de faire en sorte qu'on fasse tous partie de la même équipe, d'une grande et belle équipe pour la planète et impliquer la jeunesse. Et pourquoi la Fondation SNCF est un de nos partenaires ? Parce qu'elle agit beaucoup pour l'implication des jeunes territorialement, leur donner un but, les aider à trouver leur voie. Et donc, auprès de la jeunesse, elle est très impliquée. Elle a choisi différentes associations, dont la nôtre et Landestini aussi, pour travailler activement auprès de la jeunesse, pour les sensibiliser. Et nous, voilà, c'est autour du sport, mais pas que. On parle aussi donc, de tout ce que je vous ai dit précédemment. Merci beaucoup, Benjamin. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est un plaisir d'avoir cette énergie. Entre les arbres. Ouais, non, c'est un grand plaisir. Et puis, et comme on l'a déjà dit, il faut avoir une approche globale à généraliser les solutions. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste penser à la production de légumes, il ne faut pas juste penser à la plantation d'arbres, il faut penser aux deux. Il faut penser aussi à la mobilité, à l'activité physique, au lien social, toutes ces choses que vous incarnez en soutenant nos associations. Merci à vous encore. C'est sans plus attendre, ouais, c'est vraiment un plaisir, et sans plus attendre que nous allons donner la parole aux représentants, ça c'est un gros mot, à nos enseignants et aux lycéens qui sont avec nous. Alors, je crois qu'avec nous, il y a les lycéens du lycée Charlotte Perriand et leur enseignante, leur professeur Vanessa Vitu, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonsoir, tout à fait. Je suis présente ce soir avec deux éco-délégués, entre autres, hein, qui s'occupent de la France potager, qui sont Guillaume et Louis, qui sont là, et accompagnés aussi de Madame Lemire, qui est aussi notre représentante de l'association des parents d'élèves, voilà, qui nous aide aussi dans ce projet. Ça, c'est excellent. Quand les parents d'élèves s'impliquent, nous, on a l'impression de vraiment être super. Et vous pouvez dire un petit mot, juste rapidement, hein, même si c'est un tour de table, sur la démarche que vous menez sur le potager, vous en prie. Alors, le potager, c'est une initiative entièrement qui va être menée par les élèves. Voilà. Moi, je suis là pour les accompagner dans leur choix de légumes, de fruits, voilà, de tout ce qu'ils veulent, de tout ce qu'ils souhaitent planter. On va voir ce que ça va pouvoir donner au mois d'avril. Mais voilà, on est là pour les accompagner. Ils sont très, très motivés.
les élèves. Ouais. Nous aussi. On est très motivés, nous aussi. Si les élèves souhaitent dire un mot, ils sont bienvenus. S'ils veulent garder pour plus tard, quand ils auront gagné, par exemple, il n'y a aucun problème non plus. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez intervenir, chers jeunes lycéens. C'est pour vous qu'on fait cette initiative. Et en tant que jeune papa, je peux dire que c'est extrêmement important de penser à nos jeunes au quotidien. Et quand on vous voit en train de faire ces démarches-là, ça nous donne d'autant plus de motivation. Donc, merci à vous, chers éco-délégués. Bravo pour votre engagement aussi au sein de l'établissement. Ah oui, pardon, et allez-y Isabelle Lemire, pardon. Et nous, en tant que, donc, je suis vice-présidente de l'association de parents d'élèves du lycée Charlotte-Perriand, et donc nous, on a rejoint la team des éco-délégués par Madame Vitu, parce qu'on trouvait ça intéressant, nous, en tant que parents aussi, de s'associer à cette initiative, de transmettre la communication aussi aux parents, et on les soutient financièrement pour tout ce qui est matériel, outils et autres, pour qu'ils puissent avoir les moyens de faire leur protégé. Donc, on trouvait ça intéressant de se joindre à cette opération. Excellent. C'est pas cerise sur le gâteau, c'est vraiment essentiel que les parents s'impliquent. On peut faire tout ce qu'on peut dans le cadre scolaire, même extrascolaire. Quand les parents s'emparent du sujet, on a l'impression qu'on peut faire vraiment des merveilles, parce que là, en plus, on ne compte pas juste sur les élèves ou les enseignants d'éduquer les parents. Au contraire, tout le monde s'engage dans la démarche, c'est vraiment formidable. Alors, je crois qu'il y a peut-être des lycéens avec Éric Decoux du lycée La Sagesse, est-ce que je ne me trompe pas? Ou peut-être non, c'est bon, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Eh bien, ravi de vous rencontrer et merci d'être avec nous. Hein. Je suis désolé, a priori, vous ne voyez pas la caméra, je n'arrive pas à la faire marcher. Donc, Il y a nombreux problèmes techniques aujourd'hui, ce n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas ça qui compte, c'est est-ce que les légumes vont pousser techniquement. Donc, moi, je suis enseignant en biologie, biochimie, et je m'occupe des éco-délégués. Et donc, c'est un peu comme Madame Vitu, c'est les éco-délégués qui sont venus vers moi pour lancer ce projet d'éco-potager. Donc, je suis avec deux des éco-délégués participants. Donc, il y a... Bonjour, je m'appelle Océane. Je suis en première année de BTS ESL. Bonjour, moi c'est Loïc, je suis en première SMG. Voilà. Et donc on participe déjà au programme Lycée Nature subventionné, donc une demande de subvention à la région pour planter des arbres et mettre en place un éco-potager au niveau du lycée. Donc c'est les deux projets se rejoignent en fait. C'est super. C'est super, encore une fois, la Coupe du potager des Hauts-de-France. Et là, un petit peu comme une continuité ou quelque chose qui crée du ludique et qui renforce la pédagogie sur quelque chose qui peut être fait déjà. Merci à vous d'être avec nous et bon courage, bonne chance dans le concours, même si encore une fois, vous êtes déjà gagné en participant. Est-ce que Émeric Marotte du lycée Pablo Picasso est avec nous? Oui, bonjour, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui, oui. Oui, oui, bah, voilà. je suis Émeric du lycée Pablo Picasso d'Avion, vous avez dit. Ça fait quelques années qu'on est engagé dans la sauvegarde de la biodiversité avec les éco-délégués. Et voilà, par le biais des élèves de pro, dans un premier temps, dans le cadre du chef-d'œuvre, ils ont eu cette idée de lancer voilà, un potager partagé dans l'établissement. Et en fait, on a une belle effervescence autour de ce projet parce que bon, les éco-délégués, forcément, s'y sont mis. Hein, on y est un peu les mains dans la terre avec leurs camarades. Des écoles sont venues se greffer aussi parce qu'ils se sont dit, bah, tiens, nous aussi, on a besoin d'en apprendre un peu plus. C'est notre programme de la graine aux fruits, etc. Donc, voilà, ils se sont venus greffer au projet. Puis on a un foyer de personnes âgées qui, quand ils ont su ce projet qui démarrait, ils ont dit, bah oui, mais nous, on a une grosse expérience dans le jardinage. Voilà, et donc il y a des personnes du foyer Croisat qui est juste à côté de l'établissement qui, simplement en traversant la route, sont venues donner des conseils, distiller des conseils à nos jeunes. Donc voilà, nous, le projet démarre tout seul, hein. On n'a pas encore planté une graine, mais le terrain se prépare, le matériel
est acquis maintenant. Les élèves de primaire ont commencé à faire quelques semis dans leur classe. Et puis voilà, en fait, c'est un pur moment de partage. À chaque fois, c'est un régal. Ils se sont même, il y a eu un repas en fin d'année pour tous se retrouver, pour échanger autour de ce projet. Et puis simplement pour passer un bon moment. Voilà. C'est bien résumé. Merci aussi de mentionner que c'est dans le cadre du chef-d'œuvre que vous faites ce projet, parce que c'est important aussi pour les élus que pour nous, pour tout le monde, de comprendre aussi quel levier est activé justement pour mettre en place ce projet, parce que chaque lycée a forcément une certaine marge de manœuvre, mais elle est différente. Chaque lycée a une appropriation du projet différent, et nous voyons que souvent les chefs-d'œuvre, c'est un bon moyen, notamment en lycée technique et en lycée professionnel, mais qu'il y a beaucoup de manières différentes d'essayer de faire intégrer ce projet, soit dans le programme, soit sur le temps. Les éco-délégués, comme vous le voyez, c'est aussi une belle façon de leur proposer un projet très cohérent et motivant. Donc, c'est parfait quand vous précisez aussi la raison pour laquelle vous arrivez à faire ce projet et à le rajouter, hein, d'une certaine manière dans votre année scolaire. Alors, je me tourne vers le lycée Jeanne Lavezari. Excusez-moi si je prononce évidemment mal certains mots, hein, ou non. Hein, on va dire que c'est mon côté franco-américain, auvergnat d'adoption. Les accents, ils ne s'y retrouvent plus avec moi d'ailleurs maintenant. je cherche encore le New-Yorkais. Alors, Nathalie Bessec, est-ce que vous êtes avec nous du lycée Jeanne Lavezari? Merci à vous. Vous m'entendez? Oui, Nathalie. Alors, pour Nathalie Lessec au lycée Jean Lavezari à Berquin. Donc, moi, je suis DDF, hein, directrice des formations, donc ce qu'on appelait chef de travaux du lycée. Et l'année dernière, on a répondu à l'appel à projet Génération Plus Biodiv. Donc, notre projet, c'était justement le potager. Donc, on a visité un certain nombre de jardins, le jardin de la Chartreuse de Neuville, de Valoir et tout ça. Tout simplement parce qu'on a un restaurant d'application pour nos CAP, production, service, restauration, et on a décidé de faire un potager pour justement proposer des boissons chaudes, froides et des plats qui sont justement en fonction de ce qu'on a mis dans le potager. Donc nous, on a déjà commencé, enfin il est commencé notre potager, il est déjà installé. Maintenant, bien sûr, il va falloir faire les semis, les plants et tout le reste. Et puis, on veut faire aussi une prairie fleurie avec des fleurs comestibles et, si possible, un verger. Donc, on travaille aussi en partenariat avec l'IME de Renduflier. Donc, on a bien installé, on dirait, le projet. Maintenant, il n'y a plus qu'un, on va dire. Il n'y a plus qu'un. Voilà. Bravo. Bravo. Donc, on participe un petit peu à la formation qui va y avoir à Amiens, qui va avoir lieu à Amiens. Le début mars, je crois, sur la biodiversité, c'est ça? Donc, voilà. Pas vraiment travail, oui, c'est la biodiversité tout c'est au ça. Long, d'ailleurs, des formations, on parle de la biodiversité dans les sols. Je crois que Margot, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. C'est ça, effectivement. Bah, d'ailleurs, je vais pouvoir rebondir sur ce sujet-là. Là, effectivement, le 1er mars, ce sera une session sur le réveil du potager au printemps. Donc, c'est le mois de mars, c'est le moment idéal pour... refaire revivre son potager, préparer son sol, préparer les semis, etc. Donc, ce sera une session qui sera spéciale réveil du potager. Donc, ce sera donc le 1er mars à Amiens. Et pour les prochaines, on vous tiendra au courant. Donc, il y aura une troisième formation qui aura lieu, mais on reviendra vers vous dès qu'on aura le lieu et la date. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Les inscriptions sont ouvertes pour participer à cette prochaine formation à Amiens. On insiste sur cela. C'est pas juste encore une fois une animation, c'est pas juste des visios, c'est des visites terrain, c'est aussi des formations présentielles. Et donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire. C'est grâce à la région qu'on les organise ces formations. Donc surtout venez aussi nombreux que vous pouvez. Alors nous sommes aussi avec Anne de Bette de la cité scolaire de Lambre Montaigne. Je crois bien, vous êtes avec nous. Bon. Bonjour, oui, je suis là, j'ai remis ma caméra. Merci à vous. Oui, donc moi, je suis là, mais en fait, on travaille à trois et notre chef de projet, c'est Monsieur Houdard qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc, effectivement, nous, on est à Delan-Montaigne. On a eu la chance d'avoir accès au projet Une région, 5 lycées, 5 potagers. Donc, ce sont les associations Les Vergers Urbains et Arrêt Paysage qui sont venues au lycée et qui ont créé
avec l'aide des élèves, bien sûr, hein, tout l'aménagement du potager dans un patio et d'un verger dans un deuxième patio. Donc, nous, on a été vraiment guidés, épaulés dès le début. Et maintenant, le potager est pris en charge, alors, soit par les éco-délégués, soit par des élèves volontaires, parce qu'on a des clubs sur le jeudi sur un temps du midi. Et on a un club potager, donc on se retrouve toutes les semaines, soit à l'extérieur quand on le permet, soit à l'intérieur pour réfléchir à ce qu'on peut faire. Et en parallèle, il y a des actions menées avec la cantine, bien sûr, évidemment. Le chef de la cantine vient chercher les légumes. Les élèves ont eu une après-midi cuisine avec nos légumes. Voilà, donc ça, c'est bien ancré et puis ça commence à prendre forme, quoi. Excellent. Quand vous faites le lien avec la cantine, c'est pareil pour continuer cette marche globale. C'est primordial. Je vous ai coupé, vous pouvez dire autre chose, excusez-moi. Non, du tout. J'ai fini, je ne veux pas prendre trop de temps. C'est bon. Merci beaucoup. Ravi et bravo pour votre club potager. Ça aussi, c'est une excellente façon de formaliser d'une certaine manière, mais tout dans le ludique. Merci beaucoup. Véronique Chambrery, vous êtes là aussi. Pierre et Marie Curie, je crois. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis du lycée Pierre et Marie Curie d'Aulnoy-Aymeri dans la Vénois. Je suis coordonnatrice Ulysse, en fait, je m'occupe des porteurs de handicap. Et en fait, les jeunes ont voulu faire un potager surélevé pour d'autres porteurs de handicap en fauteuil roulant. Donc, le but, voilà, c'est qu'ils s'entraident entre eux pour voir que tout le monde peut s'entraider, finalement, même si on a des difficultés à la base. Alors, on en est à la fabrication pour l'instant. Et en plus, le potager va être au final entièrement autonome, puisqu'on va se servir du savoir-faire d'un collègue qui va se servir donc de l'énergie solaire, de l'éolienne, ça va s'arroser tout seul, etc. Donc, les élèves vont apprendre toutes ces parties-là. Excellent. Bravo. Bravo. Non, mais c'est extra. Et la genèse du projet vient d'où ? De moi. Bien de le dire aussi. Pardon. Bravo. Je suis désolée. Non, mais en fait, on cherchait des idées avec les élèves et puis on fait des... parfois des compositions florales pour faire des petits marchés, ce genre de choses. Et puis, c'est arrivé comme ça parce qu'en fait, ils se plaignaient de leur handicap en disant on a des difficultés pour ça. Et on a fait parfois des comparatifs avec d'autres handicaps en disant vous vous rendez pas compte qu'il peut y avoir encore pire, entre guillemets, parce que c'est toujours difficile. Donc, on leur a fait essayer un fauteuil roulant. Et quand ils ont vu la difficulté, rien que dans le lycée qui est pourtant fait pour les porteurs de handicap, ils se rendent compte à quel point c'était difficile. Et on a cherché après comment aider autrement. Voilà. Mais bravo, bravo pour cette notion. Par contre, j'espère que je vais rentrer dans les critères parce qu'ils ne sont pas très grands. C'est la première année. Le potager ? Oui. Non, c'est pas grave. Non, on a un prix mini-pouce pour les petits potagers. Ah ben, ça va être mini-pouce. Oui, c'est comme si c'était une catégorie en tant que telle, c'est-à-dire on évalue le potager comme tous les autres, mais en étant un tout petit espace. Eh bien, vous êtes évalué, entre guillemets, en comparatif avec d'autres petits espaces. Disons qu'on a prévu cela dès le départ. On ne voulait surtout pas que la taille de l'espace à disposition soit un problème. On voulait aussi que s'il y avait très peu d'espace végétalisé, qu'il n'y avait pas de pleine terre accessible, qu'il y aurait quand même la possibilité d'apporter bac, terreau. Donc, pour nous, il faut de la terre. Donc, certes, si on commence à faire ce qu'on appelle en anglais du vertical farming, donc produire des légumes qui sortent de, on va dire, de colonnes et il n'y a pas de terre, là, on commence à être… On est un peu plus gêné, mais on n'est pas non plus catégorique. En revanche, il n'y a aucun problème pour apporter de la terre, créer un bac, avoir des tout petits espaces. Et je crois que… On s'est positionné d'ailleurs, si on devait vraiment formaliser les choses, sur 4 mètres carrés comme un minimum, mais en tout cas, on n'a jamais été excluant. On n'est pas excluant, elle est destinée dans la mobilisation en faveur de la reconnexion à la nature, donc ne vous inquiétez surtout pas là-dessus. Et en plus, on a un prix qui s'appelle « Quelle débrouillardise ?» où on laisse l'opportunité de décrire, c'est qualitatif comme réponse, ce n'est pas du tout quantitatif, tous les défis auxquels étaient confrontés l'équipe, l'établissement, les participants, pour que justement on puisse valoriser si une équipe, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de connaissances, il n'y avait pas de temps. Et tout de même, ils ont fait un beau projet.
Tout ça, ça se valorise. On est vraiment dans une évaluation sur le plan environnemental, écologique, certes, alimentation, mais aussi social et même culturel, communicationnel, dans inclusif, l'inclusivité. Tout ça, c'est pris en compte. Je crois que merci, Madame Chavrerie. Merci à beaucoup. Est-ce que Manuel Pirot du lycée Pasteur est avec nous? Je ne l'ai pas vu. En revanche, je me demande, est-ce que Nelson Mandela, enfin, Léréa, Nelson Mandela est présent? Ah, peut-être que Nelson Mandela est toujours pas avec nous. La personne de Nicolas Artaud et Anthony Zaya. Merci à lui pour tout ce qu'il a fait. Mais... Oui. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui. Oui, bonjour, Nicolas Artaud. Donc, je suis enseignant à Léréa Nelson Mandela de l'Homme. Mon collègue Anthony Bayard n'est pas présent, mais je le représente. Et donc voilà, notre première année, enfin inscription à la Coupe des potagers. Et ça fait 3 ans pour nous, en fait, qu'on travaille sur un projet nature qui fait vraiment partie de l'axe principal de notre projet d'établissement. Et donc, on a aussi tout un groupe d'éco-délégués et aussi beaucoup d'élèves qui se joignent à eux. Et donc, on a créé une mare, des abris à hérissons, des abris à oiseaux. On est un refuge LPO maintenant, avec un petit observatoire. Et on se lance là d'autant plus dans le potager cette année, qui existe déjà, mais qu'on va continuer à agrandir et cultiver nos légumes. Et puis, voilà quoi, en fait. Et vous avez accueilli la première formation que nous avons faite. Donc, et nous avons accueilli la première formation, exact. Donc, comme ça, ça a pu permettre aussi, en fait, de montrer un peu là où on en était et ce sur quoi on avait déjà avancé. Et donc, voilà, nous participons aussi à la formation du mois de mars à Amiens. Nous serons aussi présents. Un grand merci. Un grand merci d'avoir accueilli et d'avoir aussi pensé à la biodiversité. C'est clairement, c'est même la première rubrique de nos prix, c'est est-ce qu'on pense à la biodiversité au sens large, le fait que vous êtes refuge LPO, c'est un des leviers, hein, c'est un beau partenariat aussi de travailler avec cette association, de suivre leurs recommandations, leurs conseils. Je pense que nous sommes aussi en présence d'Ambeza Delphine. Madame Ambeza Delphine, est-ce que vous êtes là du campus agri-environnemental d'Arras? Oui. Bien, merci d'être avec nous. Donc, moi, je suis chargée de mission en espace vert au campus agro-environnemental d'Arras et nous avons fait pour la première fois, on participe pour la première fois à la Coupe du potager. Donc, on a fait une petite olympiade, ça faisait comme si c'était un petit concours avec les CAPA et puis des secondes pro. Donc, par petits groupes de 4, ils nous ont présenté des plants de potager. Et la direction a choisi un plant. On a remixé un petit peu le plant de tout ce qu'ils nous ont proposé. Et on a commencé à faire les travaux cette semaine. Excellent. Excellent. Bravo. Ben, en tout cas, vous démontrez que quand c'est vous tous et toutes, parce que je crois qu'on a fait notre tour d'écran. N'hésitez surtout pas, hein, si j'ai oublié quelqu'un, puisque je ne vois pas tout l'écran en même temps. Je m'excuse, hein, je vous prie de m'excuser si c'est le cas, mais la diversité des établissements scolaires est formidable. La genèse du projet pour chacun et chacune d'entre vous, on voit aussi qu'il y a des différences. Il y a des différences dans comment vous le menez, et ça nous fait d'autant plus plaisir. Et on voit que le potager est quelque chose qui rassemble, quelque chose qui rassemble, qui crée du lien, qui est ludique, qui est pédagogique. Et c'est pour ça aussi que, comme merci à Margot d'avoir montré hein, tous les participants dans cette belle région, belle représentation territoriale, c'est quelque chose qui, nous, était un objectif. Et j'espère que la région va être heureuse de pouvoir avoir un projet fédérateur en ce sens-là. Ne vous inquiétez pas, si vous devez partir, je vois que vous êtes quelques-uns à nous avoir quittés. Bien sûr, c'est normal, on avait dit qu'on prendrait une heure avec nous. On ne va peut-être pas faire le quiz, Margot, si je peux me permettre, mais peut-être que tu veux dire un mot sur 2 ou 3 points organisationnels. Je te donne la parole, évidemment. Et on vous connaît, on te connaît, Margot.
C'est important. Bah, je ne sais pas, est-ce que effectivement, enfin, le quiz est prêt, ce sera assez rapide, ça devrait normalement durer 7-8 minutes. Si personne n'y voit inconvénient, on peut le lancer. Hein. Et puis, je peux même raconter avec vous. Eh bien, banco, comme on dit 1, 2, 3, potager. On y va, Margot, dans ce cas-là. Mais effectivement, bah, allez, dans ce cas, on ne perd pas de temps. Vous pouvez alors accéder, je viens de vous envoyer, je vais le re-renvoyer ici, sur l'adresse www.caroute.it. Vous pouvez vous connecter. Vous allez ensuite tomber sur une page où vous allez avoir besoin d'un code PIN que je vais vous envoyer tout de suite. J'espère que ça fonctionne. Non, pas du tout. Alors, 650 66 54. On aime bien utiliser les outils numériques et on aime bien aussi les couper 66, de temps en temps. 54, je vais réussir dans le bon code. Voilà. Donc, le code à rentrer sera le 650-66-54. Donc, il faudra cliquer sur la page www.kout.it. Et donc, j'attends de voir les joueurs. Donc, ce sera une plateforme participative. Donc, il suffira de répondre directement en ligne. Donc, il y a normalement 7 ou 8 questions. Alors, pour l'instant, je vois Madame Debette, Véronique et Vanessa. Et je vais même partager mon écran pour que vous puissiez voir ce que je vois. Voilà, donc nous sommes 5 pour le moment. Donc, je précise que du coup, tout le monde peut participer à ce quiz. Donc, même si le conseil régional, vous souhaitez aussi participer pour jouer le jeu, vous pouvez. Mais bon, je précise pour les lots, donc, c'est-à-dire une analyse de sol et des sachets de graines offerts par les Petits Radis, qui est une entreprise locale. Notamment qui est située à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Donc ça, ce sont les lots et qui seront attribués uniquement, désolé, aux participants de la coupe, c'est-à-dire les lycées. Mais tout le monde est invité à participer. Henri, si tu souhaites participer, tu peux. Charlotte également, mais Charlotte, tu connais déjà les réponses, donc tu seras trop forte. Et moi, je ne les connais pas, moi. Non, toi, tu peux participer, Henri, tu peux participer. Alors, là, actuellement, je vois 2, 4, 6, 8, 8 personnes. Je ne sais pas s'il nous manque encore du monde. Ils peuvent se rattraper en route. Oui, est-ce que… Alors, je ne sais pas si on peut rattraper en route. Est-ce que quelqu'un… Si la personne n'arrive pas à se connecter, fasse un petit signe de la main. Alors là, je ne suis pas sûre de pouvoir le voir, mais est-ce que quelqu'un n'arrive pas à se connecter? Et si je n'ai pas de réponse, dans ce cas, je commence le quiz. Eh bien, dans ce cas-là, je vais démarrer. Comment on fait pour démarrer? Ah oui, parce qu'il y a la tête d'Henri devant. Ah. Voilà. J'ai tendance à le mettre là où il faut pas. Donc, c'est parti pour le quiz spécial Hauts-de-France. Première question. À quelle période peut-on récolter les pommes de terre, notamment dans le Nord? Et dans les Hauts-de-France, je dirais même de manière générale. Donc, c'est Nord avec un petit N. En août-septembre, fin novembre, début janvier ou toute l'année? Alors, attention, il reste une seconde. C'est rapide. C'est très rapide. Donc, je tiens à préciser, effectivement. Donc, deux personnes ont répondu en août-septembre et une personne a répondu toute l'année. Et donc, la bonne réponse, c'était donc bien en août-septembre. Et donc, bravo à la sagesse qui commence très fort. C'est un peu logique que la sagesse gagne les premiers points. Donc, si on est d'accord, Margot, ça va être aussi rapide à chaque fois. Oui, exactement. Le lingot du Nord, c'est une variété de… Merci, Madame Martin. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente, d'avoir été avec nous. Et effectivement, donc, c'était bien une variété de haricots. Ce sont des flageolets tout blancs qui sont produits du coup, dans la région. Et la sagesse est toujours en tête. Vous portez très bien votre nom. Mais attention, c'est amené par Vanessa Vitou. Quel est le meilleur amendement en termes d'équilibre azote-carbone? Le marc de café, le fumier, les feuilles mortes ou la tombe de pelouse? C'est pas facile. Hein. Ah oui. Effectivement, c'était bien le fumier. Donc, je vois 4 bonnes réponses. Bravo. Donc, effectivement, c'est le meilleur amendement que l'on peut apporter à son potager. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit coucou à votre fermier pour demander un peu de fumier pour votre potager. Ah, nous avons un petit changement. Ah, la Vézari repasse en tête.
Et attention, cette fois-ci, réponse libre. Comment appelle-t-on les endives en ch'ti et en picard? C'est facile, je dirais même, pour des ch'tis et picards. Comment dit-on les endives? Là, il faut écrire la réponse. Ce n'est pas un choix multiple. Il faut écrire la réponse, effectivement. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde l'a eu, celui-là. Effectivement. Alors, choix con. Alors, j'ai bien vu ch'ti con avec un S. Donc ça, je le valide. Juste que, voilà. Ne sois pas trop gentil non plus, Margot. Hein, alors, tu peux appliquer une règle. Choix con, je vois, j'imagine que c'était une erreur et que c'était bien chicon. Donc, je valide également la réponse. Donc, c'était bravo, c'était bien effectivement les chicons. Vous êtes cohérent avec le valeur quand même de bienveillance. Le O est à côté du I, donc j'imagine que ça devait être à cause de ça. Donc, c'est bien les chicons. Bien vu, Margot. Bravo, nous avons des bons ch'tis et picards, tout va bien. Henri, tu le savais, toi? Oui, tout à fait. Mais j'ai choisi de laisser la chance aux autres, on va dire. Et alors, comment dit-on le potager en ch'ti et en picard? Ça, par contre, je ne sais pas. C'est un peu plus compliqué, celui-là. Je ne sais pas. J'avoue que je l'ai appris très récemment. J'ai l'impression que tout le monde le sait. Bravo pour les 6 réponses déjà. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a? Le potager, le garda. Alors, bon, la bonne réponse, c'était le courtier. Donc, c'est bien le terme qu'on utilise en patois. Mais, néanmoins, c'est vrai que le garda, c'est un peu comme ça que moi, je l'appelle. Donc, je veux bien valider. Mais néanmoins, c'est bien donc le courtier qu'on utilise. Les gardins, comme le garda. C'est... Je serais tendance à dire le garda aussi. Le garda, quand même. Hein, mais, D'accord, il y a de la triche. Excellent. Et donc, c'était le courtier, la bonne réponse. Donc, on passe à la nouvelle question. Sauf si c'était la dernière, donc je ne pense pas. Je pense que l'avant-dernière. Pour remplacer le sucre blanc raffiné, quelle alternative locale puis-je utiliser? Et qui, la réponse n'est pas le miel. Pour remplacer le sucre blanc raffiné, quelle alternative locale puis-je utiliser? C'est une réponse libre. Vous pouvez aussi dire « j'ai arrêté les desserts ». Alors, je l'ai dit « autre que le miel ». Alors, je vois des bonnes réponses. Alors, je vais revérifier les réponses qui ont été mises. Alors, la betterave, effectivement, je la valide. Ouais. Parce que c'était bien la vergeoise qui était la réponse attendue. La vergeoise, c'est donc un sucre de betterave qui est produit localement, qu'on appelle aussi dans le Nord cassonade. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est une erreur d'appeler ça de la cassonade, puisque la cassonade, techniquement, c'est issu du sucre de canne. Et il faut aussi faire attention, aujourd'hui, c'est assez difficile de trouver de la vergeoise. Généralement, ce qu'on trouve dans les commerces, c'est du sucre saveur vergeoise. Donc, ça va faire bien attention. Mmh. Et néanmoins, je valide des réponses cassonade et cassonate, parce que c'est comme ça qu'on le prononce, et c'est comme ça qu'on l'appelle en Haute-France. Donc, bien, bravo. Autant pédagogique que bienveillante tu es. Merci, Mas. Et enfin, je pense que c'est la dernière question. Et il est 18h04, tout va bien, donc on est à peine en retard. C'est bien de montrer la hiérarchie. Oui, effectivement, j'ai oublié. Je me dépêche tellement que, oui, effectivement, donc nous avons... Non, mais c'est très bien de montrer l'avant-dernière, comme ça, la région de France qui démarre en tête. Bravo. Et donc, nous avons Véronique Vitou ensuite, et la sagesse, puis le lycée Picasso à Avion. Et enfin, l'Avezzare. Alors, excusez-moi, je ne me souviens plus des noms de... Alors, je suis une plante domestiquée et je suis issue d'une célèbre racine qu'on utilise pour produire une boisson qu'on boit le matin. Enfin, une boisson qu'on boit le matin, effectivement. Et c'est la photo que l'on a ici, comme indice. Ça vient d'une racine qui a été domestiquée, qui était au départ une plante sauvage et qu'on a domestiquée pour qu'on serve salade. Alors, voyons voir. Et tout à fait. Effectivement, donc la réponse que j'attendais, c'était la barbe de capucin, qu'on appelle aussi chicorée sauvage. Donc, je valide la chicorée. Et
valide aussi les endives, parce qu'effectivement, j'avais vu que c'était en lien avec les endives. Alors, je ne me souviens plus exactement comment ça se passait, mais effectivement, je valide parce que c'est, il me semble que ça fait une variété d'endives. Donc, bravo. C'était bien la réponse attendue, mais ce qu'on voyait à l'écran, c'était donc une barbe de capucin, qui est une espèce locale qui était au départ de la chicorée sauvage, qui a été forcée et mise dans les potagers pour être mangée comme forme de salade. Et donc, nous avons... Qu'est-ce que tu fais ? Hop ! J'aimerais bien valider comment on fait pour le podium. Voilà. Et donc, nous avons le podium, le lycée La Sagesse. En seconde place, Véronique Vitou. Et en première place, nous avons Marie-France Carpentier. Bravo. Merci. Alors, néanmoins, Marie-France Carpentier, donc bravo. Comme je précisais, néanmoins, donc, vous faites partie du Conseil régional des Hauts-de-France. Elle a eu les réponses, Margot. Ce n'est pas possible. Elle n'avait pas dit la fin de Véronique. La fin de Véronique que vous avez dit, c'est moi. Ah, pardon, Véronique Chabrerie. Eh bien, bravo, Véronique Chabrerie, excusez-moi. C'est Vanessa Vitou, pardon, en plus. Excusez-moi, Véronique, bravo. Donc, c'est vous, ce sera vous la première de ce podium, et donc ce sera vous qui recevrez l'analyse de sol. Donc, la sagesse recevra les graines. Et donc, je vais vous envoyer, du coup, le podium en enlevant, du coup, les personnes qui ne peuvent pas recevoir de l'eau, donc, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas des lycées, donc vous recevrez les lots. Et puis, on va vous envoyer aussi le quiz si vous voulez jouer avec vos étudiants pour les tester un peu, puisqu'ils n'étaient pas là. En tout cas, bravo, du coup, à Véronique qui gagne une analyse de sol offerte par notre partenaire Biomed. Je vous mettrai un lien directement. Ça, c'est excellent. Et au lycée La Sagesse qui gagne du coup un sachet de graines des petits radis, pardon. Donc bravo à vous. Merci beaucoup. Et voilà, donc je vais couper le partage d'écran. Bravo à tous, merci du coup de votre participation. Il est 18h08. Je pense qu'il est l'heure d'un apéro autour, un apéro, peu importe, hein, faire comme vous le souhaitez, ou bien un petit tour au potager pour voir comment se porte votre terre, comme vous le souhaitez. Donc, merci beaucoup à tous de votre participation et je vous dis à très, très bientôt. N'hésitez pas aussi, si vous êtes intéressé pour la formation du 1er mars à Amiens, à vous inscrire. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez la moindre question. Et moi, je vous dis à très, très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Bravo. Merci, au revoir.